La quatrième conférence Regard de France s'est tenue ce mardi 10 décembre à la Résidence de France. Sous le titre 1914-1918, revisiter le conflit par l'image, elle proposait un regard original sur la Première Guerre mondiale. En partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel, la conférence a pris la forme d'une projection commentée à partir d'images d'archives. Thierry Piel, maître de conférences en histoire, et Ulrich Wiegeveld, directeur d'Exposao, ont animé la conférence. Ils ont proposé à l'auditoire une approche transversale du conflit par le prisme mémoriel. L'objet de cette conférence était de parler de mémoire, la mémoire de la guerre 14-18, en France surtout, mais en ouvrant un petit peu sur quelques autres pays européens principalement, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'actualité. Nous allons commémorer, en effet, nous commençons à commémorer le centenaire de la guerre 14-18, dont les derniers témoins viennent de disparaître, il y a quelques années seulement. C'est donc une nouvelle page, finalement, d'histoire, justement, qui peut être écrite, et surtout une question qui est posée sur quelle mémoire doit conserver un événement dont les protagonistes ont disparu. Cette question de la mémoire est une thématique historiographique nouvelle, aujourd'hui au centre des travaux de la plupart des chercheurs. Cet angle d'étude a fait ressortir des témoignages qui n'avaient pas encore été considérés d'un point de vue historique, tels que celui des mutins et des fusillés. Cette approche, sans prétendre dresser un nouveau tribunal, tente simplement de comprendre les tenants et aboutissants de grands pans de l'histoire.